Les gars, ça va, c'est Energy et on se retrouve aujourd'hui pour déforestation totale. Et comme vous avez vu, ça, c'est dur et ça va être encore plus dur. Et du coup, on se retrouve après un off de ramassage, hein, littéralement de ramassage de bois. Et nous sommes avec Valo. Salut. Avec Will. Salut. Avec le pingouin. Salut. Et Loire Agripicture. Salut. Et du coup, ils sont sur leur balcon à admirer. Parce que maintenant qu'ils sont payés, messieurs les gens payés, parce que regardez, maintenant ils ont leur compte sur la partie. Quand vous allez dans ferme, ils ont leur compte sur la partie. Donc Will a gagné 1000 euros, Paul a gagné 1000 euros, Axel a gagné 1000 euros, Valo a gagné 1000 euros et Clacmic a gagné 1000 euros. Et du coup, voilà, à chaque fois qu'il participe à un épisode, on compte pas le off parce que sinon, je m'en sors pas. Je mets la cabane sur le chien. Mais voilà, on compte pas le off, mais à chaque épisode, en gros, il gagne 1000 euros jusqu'à qu'on multiplie par 2 dans 10 épisodes, je pense, parce que 5, ça va être un peu chaud. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont leur argent et je leur redonnerai 1000 euros. Vous vous rappelez, on a 5000 euros, mais on a stocké du bois au port. Je vous invite à vous téléporter au port pour qu'on aille vendre ça. Alors, j'ai pas réussi à baisser le prix du bois, mais j'ai un script qui va me permettre de le diviser par 5 tout seul, donc vous allez voir. On va vendre. Alors là, ça va être le prix normal, donc vous allez voir plus 106 000 euros. Mais voilà, vous voyez, c'est beaucoup trop. Là, on pourrait déjà acheter, ça veut dire à cet épisode, quasiment une link belt. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pour ça qu'on divise par 5. Et du coup, j'ai une commande. J'espère que ça fonctionne. Alors attendez. Oui, voilà, ça fonctionne. Voilà. Alors attendez, il y avait 100... Alors, on a gagné 106 000 euros. Alors attendez, divisé par 5, 21 000 euros. Et du coup, il faut que j'enlève 85 000 euros. Du coup, voilà, on est à 26 493 euros, ce qui va nous permettre d'acheter des choses. Alors, par contre, j'ai ajouté une remorque avec Will. On en avait parlé. Alors, je sais pas si tu parlais de celle-là, toi, Will. Une petite remorque à mettre à l'arrière du Sprinter. C'est celle-ci, sauf que les mecs la vendent 26 000 euros. Alors, je sais pas si elle est en carbone, mais 26 000 euros, c'est quasiment le prix. Bah, c'est le prix d'un pick-up. Donc je vous invite à non, hein, que non, hein, on va clairement dire au revoir à ça, on oublie, hein, je pense que je baisserai le prix pour le prochain épisode, mais 26 000 euros, c'est totalement abusé. Du coup, bah, alors, les autres possibilités qu'on a pour mettre à l'arrière du Sprinter, alors ce serait celle-là, la classique remorque qu'on mettait derrière tout au début de la saison 1. Oui, louche, c'est celle qu'on peut allonger. La Metaltech. Mais genre, limite, on se dit qu'on peut pas l'allonger, on la laisse en taille normale. Ouais. Oh, limite, on fait ça. Ouais, alors, le sprinter, par contre, il va. Ouais, c'est ça, la Metaltech. Le sprinter, il va plus en vouloir. Mais ça va être marrant. Allez, bon, let's go. On achète ça. Il faut, je pense, à garder de l'argent pour payer. Alors, on est un petit peu moins dans cet épisode parce que je compte qu'il faut que je les paye. Et du coup, j'aurai 4000 euros à sortir à la fin de l'épisode, plus que 1000 euros chacun. Donc, il me reste 17 000 euros. Donc, il faut, je pense, à garder un peu d'argent. Bah, du coup, on envoie un chargement de bois et on prend celui-là. Une fois qu'on est de retour. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Bah, let's go. On retourne. Ah, la ferme, je vais me téléporter. Voilà, comme ça. Et bah du coup, le chantier peut reprendre. Alors, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, le sprinter, il galérait un peu. Hein. Il galérait un peu à des moments. Et d'ailleurs, cette parcelle est quasiment finie. Hein. De côté-là de la parcelle... Ouais, il n'y a même pas d'arbre dans cette parcelle-là. Ouais, non, après, c'est fini. Ah bah oui, c'est délimité par ça. Ah ouais, bah la parcelle sera totalement finie dans 3-4 arbres, apparemment. Ouais, c'est ça. Faut juste que je fasse gaffe à pas le faire tomber... Côté lac. Ah, c'est même pas à nous ça? Ah, si. Alors, je sais même plus dans quel sens. Ah, oui, comme ça.
Voilà, on va essayer de participer un peu quand même. Hein? Encore une fois. On coupe un peu des arbres quoi. Oh, par contre, le speed player. Et le dernier de la parcelle. Ah non, vous n'avez pas accès. Ah, c'est celui-là. C'est fait avoir. C'est celui-là qui me disait, on va dire à Marlène de le couper. Ah oui, il arrive au péage. Alors attendez monsieur, parce que oui, les gens ont voté, hein. Attendez, avancez. Stop, ou j'appelle les flics. Contrôle du véhicule. Alors, y a rien à l'arrière, y a pas un de vos frères que vous avez caché? Non, y'a personne. Non, ça me paraît honnête. De toute façon, y'a pas beaucoup de place, hein. Ça fera 1000 euros, monsieur. Ah bah. Attendez, je prends votre carte. Sans contact? Allez-y, sans ah, contact. C'est bon. Vous pouvez y aller, on a perdu 1000 euros. Merci. Parce que oui, vous avez décidé, on continue le replay constamment, hein, c'est dingue. Hein. Parce que oui, vous avez décidé de rajouter le péage, entre guillemets. On paiera 1000 euros à chaque fois qu'un véhicule passera ici. Il y a plusieurs gens qui m'ont dit, ouais, t'aurais dû faire 500 euros par remorque, etc. Ça, on l'ajoutera peut-être plus tard. Mais pour le moment, 1000 euros, c'est simple, au moins c'est carré. C'est bien plus simple à comprendre que de faire 100 000 règles. Et aussi, vous avez remarqué, alors, parce que Will aussi l'a remarqué, il a essayé de passer par là, mais il n'y a plus de glace. Non, il n'a pas essayé. Parce qu'on a enlevé le mode saison, parce qu'en gros, il y aura de la neige un épisode sur trois. Et du coup, bah, c'était l'épisode dernier. Donc, ce ne sera pas le prochain, mais ce sera celui d'après. Bah, c'est bon, Pingouin, il est rendu. On peut décharger pour espérer gagner un petit peu plus de sous-sous. Et du coup reprendre ensuite cette remorque. Je voulais parler également d'autre chose avec vous, c'est des commentaires. On va commencer avec le commentaire de Quentin qui me dit: salut Énergie, divise le prix du bois par 2 ou 3, pas par 5, parce que je te rappelle que tu auras un péage au port à payer, tes employés à payer et surtout un prêt à rembourser. Eh, j'avais totalement oublié le prêt à rembourser, c'est vrai. Ouais, j'avoue, faudrait essayer de se donner de se fixer un objectif, genre rembourser 1000 à 2000 euros par épisode. Enfin, au début en tout cas, après, ceci on, ça va prendre beaucoup de temps. Euros. De quoi? Et que par 5000. Du coup, ouais, c'est que par 5000 les prêts, en fait, ouais. Bien vu. Donc, non, bah, ok, on essaiera de rembourser 5000 de temps en temps. Il me dit, super roleplay, continue comme ça, je kiffe. Bah, merci beaucoup, Quentin. Et pour le prix, j'ai choisi de diviser par 5, parce qu'en vrai, je trouve qu'on s'en sort quand même plutôt bien, et comme ça va être un minimum difficile. Pour ceux qui pensent qu'on va pas s'en sortir, vous connaissez clairement pas les gens avec qui je joue, parce que vraiment, à partir du moment où ils auront une link belt, il y aura plus de soucis. Donc voilà, ça fait que ralentir ce moment-là, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de soucis, quoi. Et du coup, je vais reprendre ce commentaire avec vous en off. C'est le deuxième commentaire, c'est celui de Tanguy qui me dit: je l'avais dit en tant que McFly ou de moi-même, mais je trouvais bien que cela est trop facile. Donc ouais, t'as bien raison, c'était un petit peu trop facile cette partie 1, mais la partie 2 est vraiment bien partie pour être beaucoup plus compliquée, mais sans non plus devenir chiant, vous verrez. Il me dit: c'était bien le roleplay, tu as grâce à lui créé une vraie tragédie. Bah c'est super. Ensuite après, il met des petites blagues, et ensuite, il me parle qu'il aimerait bien qu'un arbre égale 500 euros maximum. Bah, je pense qu'on n'en est pas loin. Hein. Comme tu as vu, le bateau était plutôt plein et il a rapporté que 20 000 euros. Donc, je pense que niveau difficulté, ça doit être plutôt présent. Un peu plus loin, il continue de me mettre, je sais pas pourquoi, 4 PS, alors que son commentaire est déjà très long. Et dans ces 4 PS, j'ai retenu surtout une information qui me dit « Je t'oblige à mettre un objectif où tu te replantes 100 arbres. » Et bah, tu verras plus tard dans l'épisode que je t'ai un peu écouté. Alors, reprise de ça, tout ça. Alors, ils ont fini de décharger dans le bateau. On va pas vendre tout de suite, on vendra quand il y en aura un peu plus. Toujours est-il que c'est super, regardez notre remorque. C'est trop bien, regardez, allez, je l'attelle. Ah, c'est, bah non, on peut pas. Ah, c'est con, hein. Voilà, on peut pas l'atteler. Petite solitude. Bon, allez, hein. Qui c'est qui la prend puis qui s'en va avec? Ouais, non, mais du coup, ce qu'on va faire. Bon, là, on a 15 000 euros, donc on a pas beaucoup de moula. Mais on a ajouté un mode, c'est pour ça qu'il y a eu une coupure, qui s'appelle le Man TGE, et ça va être notre prochain achat, le Man TGE, parce qu'il est vraiment cool, il a une capacité ici, plus la possibilité d'atteler. Alors il y a intérêt à la putain de sa race qui l'attelle, parce que sinon ça partira sur un Alt F4. Bon, pour le moment on n'a pas les moyens, il nous manque 20 000 euros, mais 20 000 euros ça va aller assez vite, je pense. Hein. On va essayer de faire des chargements, parce qu'ils ont déjà coupé pas mal de bois là-bas. Bah let's go, bah, je vais ramener le Mercos, on laisse la remorque là en attendant qu'on achète le TGE nous. Right.
Ça y est, ils sont rendus sur le nouveau chantier. Non mais... Vraiment. Alors, par contre, Axel, mais regardez tout ce qu'ils ont abattu déjà, mais what the fuck. Ça va... on nous dit de couper. On coupe, ouais, hein. Ouais, mais c'est cool, comme ça on va pouvoir vite acheter le TGE. Bah là il va nous falloir des beaux chargements. Et on se disait, ouais, vraiment, quand il y aura et le man TGE et la remorque et ce sprinter, je pense qu'il y aura pas le temps qu'il y ait trop de bois par terre, ça tournera assez rapidement. Il faudra peut-être que je prenne un cinquième salarié. On reprendra Black Mick, même si ça coûte quand même 1000 euros. Quitte à payer 1000 euros, on prendra peut-être pas Black Mick. Hein. Non, je rigole. Ça voulait dire ça, en fait. Le pauvre Black Mick. Bon, moi, je vais vous donner les objectifs. Bon, en même temps, je vais en profiter pour abattre du bois, parce que sinon, on va encore dire que je fais rien, alors que c'est totalement faux. Une fois, j'ai coupé un arbre, donc ça ne fait pas une rien. Fois. Une fois, j'ai essayé d'en couper un, mais il voulait pas se couper. Il voulait pas, ouais, bon, après, ça l'histoire. La première, c'est des objectifs à 100 000 euros, ce qui signifie que quand on les aura faits, et bah hop, 100 000 euros qui arrivent sur le compte. Et ça va faire un peu de bien pour acheter du matériel. Par contre, c'est pas gagné, hein. Ça va être, premier objectif, raser deux parcelles. Bah c'est cool, on en a déjà fait une, il reste plus que celle-ci, mais c'est tranquille quand même. Hein. Interdire les autoloads, à partir du moment où on décidera de prendre l'argent des objectifs à 100 000, plus d'autoloads sur cette partie. Terminé. Et moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose, on va réussir à s'en sortir, on en a parlé avec Valo, on a des petites idées, ça va être pas mal. Ensuite, oui. Abattre 1000 arbres à la tronçonneuse. Bah pour le moment, on a fait 50 au dernier épisode. Ne vous inquiétez pas, on mettra pas 20 épisodes. Hein. Là, franchement, rien que dans cet épisode, ils vont en couper 100, regardez-les. Non mais le trou qu'ils ont fait, non, mais c'est pas la porte. Mais bon, j'ai confiance là-dessus. Ensuite, replanter 100 arbres. Oui, vous êtes vraiment chiants les abonnés, hein. À spammer, replante. C'est déforestation totale, pas écologie totale. Mais bon, vous l'avez décidé. On va replanter 100 arbres et on les enlèvera, hein. Mais bon, au moins, on aura le travail d'en replanter 100. Et la dernière, ligne d'objectif, ça sera avoir une usine. On va commencer simple avec une usine. Je vous dis pas laquelle, j'ai une petite idée. Il y a des petites usines que j'ai installées récemment sur KingMod, sont sympas. 300 000 euros, donc ils nous donneront 300 000 euros une fois que les 5 seront réalisés. On commence, alors, ah ouais, faut que je dise le maître. C'est comment la touche du maître, les gars? Alt. Alt, clic droit. Et clic droit. C'est lui, il me dit juste. Ok, et c'est en 5 mètres que vous faites? Ouais, 5 mètres. Ouais. Replanter 500 arbres. Donc, déjà là, pas mal. Déjà replanter 500 arbres et les abattre, bien sûr, vu que il va falloir qu'il y aurait plus d'arbres à la fin de la saison. Raser 5 parcelles. Donc, en gros, il y aura celle-ci et 3 par là. Ce qui fera 5, ça sera déjà pas mal. Et on reprendra celles qui sont déjà rasées. Non. Créer une zone industrielle. Donc, une zone industrielle, c'est minimum 4 usines au même endroit. Là, ça va être du travail, hein, de les acheter, de les placer, de faire ça proprement. Et bien sûr, abattre 5000 arbres. Ça va être pas mal déjà, 5000 arbres. Mais vous inquiétez pas, d'ici là, on aura des machines, donc ça sera un peu plus simple. Hop, alt, clic droit. Et le dernier, c'est avoir 5 sites différents. Donc dans la dernière saison, on avait 3 sites différents. Ouais, 3 sites différents, et ben ça sera 5. Comme ça, un petit peu à chaque coin de la map, pour histoire d'organiser notre matériel selon les zones. La zone industrielle comptera pour un site, hein, parce qu'il faut pas déconner. Garde, mon gars. Allez. Allez. Tiens, allez, hop, désarmé. Oh, allez. C'est à ça que je vous paye. Pardon. Wilfried vient de déposer un brevet pour une méthode de chargement révolutionnaire. On va devenir riche grâce à ça. Je vais devoir le primer à la fin de l'épisode parce que là... Bon, je sais pas s'il va tirer le machin. Faudrait rajouter une roulette, là. Tu perds si tu rajoutes une roulette sur le bout de bois, là. Une petite roulette de caddie.
T'as pas une brouette à la maison? Ah la ouais, maison. Si, on va la scotcher au rondin. Une brouette avec des fleurs dedans, tu peux dire. Ah oui, ouais. Ben les fleurs hétéro. On s'en passera bien. Bon, normalement, après chargement, on devrait pouvoir peut-être acheter le man. J'espère, parce que sinon, ça va être triste. Mais ça devrait le faire. Et comme ça, là, ça va rapporter. Hein. Et comme vous pouvez le voir, on a perdu de l'argent. Vu qu'à chaque fois, on paye le péage. C'est Pingouin qui empoche tout. Bon, on a pris quelqu'un qui était par là. Il empoche rien, mais bon. Attends, est-ce que ça rentre? Ah, presque. Ah, mais c'est parce que celui de Pingouin, il est de traviole. Ça peut pas être de ma faute. Ça peut pas être de la faute du patron. Réfléchissez. Bon, allez, vas-y, essaye de partir pour vas-y, voir. Vas-y, j'ai peur. Ouais, moi aussi. Ah non, attends, c'est que j'ai un tronc devant moi. Ah oui, ouais, ok. Tu sais qu'il a essayé de saboter Will. Non, attends, le mets pas en dessous. Bouge plus, voilà. C'est bon. Ils peuvent la libérer. Oh, il est pas tellement plus... Si, regarde. Là, je vais en perdre 2-3 en route, impeccable. Ouais, ok, ouais. Ah bah nickel. Ah bah là, c'est un chargement, là. Le porc épique. Ah mais là, il est magnifique. Hein. Oh là là, c'est on beau. On va perdre en route, voilà. Ah encore, putain. Et arrête d'en semer, hein. Ah bah, hey, ils sont pas sanglés. Hein. Bon, il est temps de vendre et de voir le prix. Vas-y, vends. De voir le prix aberrant que c'est. Voilà, 100 à 1000 euros divisé par 5. Ça fait un petit problème, il nous manque 2000 euros. Bon, à la limite, on va creuser un peu la dette en empruntant 5000 euros. Ouais, allez. On va un petit 5. Non, il faut juste 5. Hein. Il faut juste 5, comme ça, hop, on achète le TGE. Voilà, parce que je veux pas trop emprunter, parce que déjà qu'on a une belle dette à rembourser, c'est pas le moment d'être surendetté. Après, je vais même pas pouvoir. Ouais. Ah oui, si, j'allais dire payer les gens, oui, faut pas. J'oublie que je vous dois 4000 euros à la fin de l'épisode aussi. On va le laisser en couleur de base. Couleur du motif, c'est quoi ça? Galvanisé ou classique? On va laisser classique. Tout ce qui est de plus de base. Peut-être, oh, allez, on va mettre le double gyro quand même. Et la configuration moteur. On pourrait presque la booster un peu. Mettre 140 chevaux au lieu de 120. Au lieu de 102. Ouais. Allez, on va passer en 140 chevaux. Il nous reste plus que 1396 euros. Il manque 3000 euros pour être payé, les gars. Et maintenant, suspense, peut-on atteler cette saloperie? Je l'espère, sinon ça va être un peu triste. Oh, si ça marche pas, là, je pleure. Mais si et on... là, moi, je dis point, 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 point. Eh ouais. Ah non, c'est trop laid. J'en doutais que c'est trop laid. Ok, nice, bon. Bah du coup là faudra payer 1000 plus 1000 donc 2000 à chaque fois que les deux arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il part par là lui? Vas-y, part par là toi avec ton man. Bah attends, vas-y, montre-le moi. Je vois à quoi il ressemble. Du coup c'est le man TGE qui est sur le mode hub et également sur King Mode. Oh, il est vraiment, hein, en vrai il est joli, hein. Et l'intérieur, c'est l'intérieur quasiment le même que les camions. Ah, il a l'air d'avoir de la patate, hein. Là, il y a moyen de faire des chargements vraiment stylés, je pense. Hein. Alors, attends, est-ce que tu penses, Will, genre, il y aurait pas moyen de mettre des bouts de 10 mètres? Bah non, tu pourras pas tourner après. Bon, en vrai, quasiment. Hein. Il fait la longueur d'une remorque. Enfin, hein. Je veux dire, j'ai pas besoin de tourner. Ah, je sais pas. Attends, déjà, à mon avis, pour le charger, déjà, ça va être plus simple que le sprinter. Mais tu ferais mieux de charger d'abord l'avant, je pense. Logiquement. Tac, comme ça. Ah ouais, si. Oh! Ah bah oui, c'est lui, ah, il me tire la remorque. Ah ouais, non, ça va être stylé. En plus, on peut se sangler facilement à pied. Ouais, nickel. Ah ouais, en plus, il y a plein de sangles, alors ça, c'est génial. Ah ouais, non, je pense que ça va être vraiment pas mal. Et facile à faire. Puis là, déjà, il y a pas mal d'arbres par terre, donc... Et puis un chargement de celui-là, ça va rapporter bien plus qu'un chargement de sprinter. Ah ouais, la longueur, c'est un peu juste. Pour celui-là, ça serait peut-être 4 mètres. Ouais, ça serait 4 mètres, je pense. On a un mètre qui dépasse de chaque côté. Hop, hop.
Hop. Ouais, c'est ouais. ça. T'as vu ça. Non, c'est cool. Alors, il est l'heure de passer à la caisse, mais comme on me l'a fait remarquer, on n'a que 1000 euros, donc on peut en faire rentrer qu'un seul. Donc on va faire rentrer le plus rentable pour commencer. Ils vont voir avec les gars du péage, là. Voilà, outrage, il y a outrage. Outrage, bon, ça sera pas 1000 euros, monsieur, mais ce sera 4000 euros. Ah, regarde, il y a marqué le prix. Oh, ça pourrait être marrant de faire ça, attends. Dis voir, tu m'as dit quoi, là? Ça pourrait être marrant que ça fasse le prix, là. Je sais pas si c'est basé sur quoi. Ça doit être le poids, ça. Ah, ce serait marrant le prix. On verra. Pour le moment, c'est 1000 euros. Allez, 1000 euros pour celui-là. Hop, voilà, c'est bon. Hop. Alors, bah là, tu vas attendre. On a plus de sous. On va attendre de décharger celui-ci d'abord. Parce que sinon, on a plus de sous pour passer. Bon, allez, let's go. Descendre tout ça. Ah, il y a moyen qu'il rapporte en vrai. Hein. À mon avis, le off, il va être. Il va être très rentable. Hop. Pingouin qui balance tout. Il tue. Vas-y, Will, vend. Ok, bon, du coup, ça fait 5000 euros. Hop, du coup, ça nous fait 5000. Voilà, 5000 euros. Bon, déjà, il peut rentrer. Ouah, normalement, j'aurais même pouvoir payer mes employés, rentrer dans mes charges, nickel. Vas-y, passez. Hop, moins 1000 euros. Du coup, on a 4600 euros, plus qu'à décharger celui-ci. Bon, ouais, normalement, je devrais avoir assez pour vous payer et avoir un peu de rab. Bah, de toute façon, j'ai déjà de quoi vous payer. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, le calcul était bon, hein. Ouais, le calcul était au bout de bois frais. Hein. C'était juste. Heureusement qu'on avait fait le. Non, mais en vrai, je trouve que vraiment. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que là, la difficulté est vraiment cool. En deux épisodes, on va dire. Et un off, on a réussi à acheter du nouveau matériel, payer les gens et s'en sortir correctement. Et bon, à part, bon, voilà, on a un mec. Mais à chaque fois, ils arrivent là, ils se mangent le mur. Tu sais, ils avaient des camions énormes avant, il n'y avait pas de problème, mais là, ils ont un tout petit truc. Alors, combien ça nous fait? Vas-y, vends. Ah ouais, oh, pas mal. Du coup, divisé par 5, 4000 euros. Du coup, j'enlève 16000. On avait combien? 4000, ouais. Donc 8000. 4000, ouais. Ouais, 8000, on perd un petit peu. 8000 euros. Maintenant, il est temps de payer les salaires avant de se laisser dans cet épisode. Alors. Du coup, alors maintenant comment je fais? Je vais dans gestion de la ferme. Je pense, non? Non, tu cliques sur le nom des personnages. Le nom des personnages. Genre sur les fermes? Non. Non, voilà, ouais, dans gestion de la ferme, ouais. C'est ce que je dis. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu cliques, tu te mets sur Will. Ouais. Et puis tu dis transférer de l'argent, à la ferme. 1000 euros. Voici votre salaire, Will. Oh, faites-en bon usage. Ça te l'a pas envoyé? Si, si, c'est. Ah ok, je sais pas, c'est la banque, c'est l'interface de la banque qui est un peu lente. Pingouin, oh je vous aime un peu moins, allez, 900. 999. c'est bon, normalement vous avez tous reçu vos salaires. Ouais. Les salaires sont partis, le comptable m'a assuré que c'était parti. Et du coup pour ceux qui se demandent ils vont en faire quoi? Ouais, en gros c'est pour se marrer, plus tard on leur mettra des parcelles où ils pourront construire leur maison et tout. Et genre ceux qui auront fait le plus d'épisodes auront les plus belles maisons, les plus belles voitures. Bon voilà, c'est juste pour délirer. Mais je trouvais ça marrant, plutôt que de supprimer l'argent pour rien, autant leur donner un petit compte. Bon bah merci beaucoup voilà, les gars, abonnés, en tout cas. J'avais proposé qu'il nous donne une prime à l'arbre coupé, mais il a pas voulu. Ouais non parce que lui il aurait tout pris. Hein, on le connaît. On le connaît. Bon allez, merci les gars, et puis bah à la semaine prochaine. Allez, ciao. À la semaine pro. Ciao, salut. Allez, salut. Ça, t'a pas, 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 t'a